Mardi Gras, une célébration en prélude au mercredi des cendres. Eau et assainissement, le 21e congrès de l'Association africaine s'est ouverte à Abidjan. Et puis le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a abrité le lancement de la 15e édition du FEMUA. L'événement aura lieu du 25 au 30 avril 2023. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Mardi 21 février marque la fête du Mardi Gras. Comme à l'accoutumée en Côte d'Ivoire et à l'instar de beaucoup d'autres pays, bon nombre d'écoles laïques et chrétiennes vont marquer le coup à travers des processions d'élèves, des déguisements, des prestations d'artistes, ainsi que d'autres activités pour le grand bonheur des petits écoliers. Mais cette fête qui précède le mercredi des cendres n'est pas que festive, elle annonce également le début de la période de carême chez les chrétiens catholiques et 41 jours après, l'arrivée de la fête de Pâques. C'est parti, le 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et la 7e conférence de l'Alliance des bouts de vidange s'est ouvert dans la capitale économique ivoirienne. C'est le Premier ministre ivoirien qui a procédé le lundi 20 février 2023 à l'ouverture officielle de cette rencontre de haut niveau sur l'eau et l'assainissement au Sofitel Hôtel Ivoire. Pour Patrick Hachi, le thème « Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement » est une bataille plus que d'actualité. Je sais que je peux compter sur votre expertise, chers membres congressistes, pour affiner ces objectifs. Ces axes d'action, ces volumes de financement. Je sais que vous voulez agir concrètement et massivement pour aider à bâtir les infrastructures dont notre continent aura besoin dans sa lutte contre le stress hydrique et les effets du changement climatique dans sa route vers l'eau pour tous. Je sais que vous avez toutes et tous pleinement conscience de l'enjeu. Je sais que vous avez les yeux grands ouverts. Prenant la parole à son tour, Boaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement, a indiqué que le thème choisi pour ce 21e congrès vient à point nommé. L'occasion est intentionnée aux professionnels de l'eau et de l'assainissement en Afrique et d'ailleurs de se pencher sur les défis du secteur eau et assainissement et de proposer et explorer de nouvelles pistes de solutions. La conférence réunit pendant 5 jours des experts, des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs et plusieurs parties prenantes des secteurs publics et privés pour réfléchir sur les défis de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Ce sont plus de 4000 participants et plus de 150 exposants sur les technologies et approches de gestion du secteur qui participent à ce rendez-vous à Abidjan. Le forum annuel de l'initiative La Finance s'engage a eu lieu le 17 février dernier dans les locaux de la CGSI. Cette année, l'enjeu majeur de cette initiative est de renforcer une crédibilité déjà établie en présentant les résultats concrets d'une forte mobilisation des membres de l'écosystème financier. Le thème de cette année était autour de l'attractivité des PME et ça m'a donné l'occasion de montrer aussi l'attractivité du secteur des industries culturelles et créatives en tant que potentiel économique, en tant que capacité aussi à créer des emplois. Comme vous le savez, le président de la République a décrété l'année 2023 année de la jeunesse. Et le secteur des industries culturelles et créatives est un secteur qui peut participer à cette ambition parce qu'il est créateur d'emplois, parce qu'il peut aussi contribuer à la croissance du pays. Nous avions pour objectif de montrer aux PME comment elles devaient procéder pour être beaucoup plus attractives face aux banques. C'est pour cela que le panel a été organisé. La banque nous a donné, les banques et les institutions financières nous ont donné leurs critères pour tout ce qu'elles appellent PME attractifs. Des PME sont venues témoigner qu'elles ont pu avoir des financements. Ça veut dire que c'est possible pour les uns et les autres. Les acteurs, à savoir les institutions financières, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé, ont été invités à prendre des engagements grâce à cette initiative qui vise dans le temps à régler un problème structurel. Une PME de façon simple est dite attractive lorsqu'elle est rentable, lorsqu'elle est formalisée, et lorsqu'elle est capable d'adresser donc des produits adaptés à un marché.
Donc une PME qui n'a pas un marché, mécaniquement, va disparaître au bout d'un certain temps. Et il faudra aussi que cette PME-là donc, ait des capacités qui soient renforcées, soit au niveau de son promoteur, mais aussi au niveau de son équipe pour pouvoir assurer donc, la gestion quotidienne donc, de ses tâches. Lors de la cinquième édition, 1295 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les PME. En outre, environ 600 PME ont bénéficié d'un programme d'éducation financière et plus de 1250 acteurs des PME ont été rencontrés à l'intérieur du pays à travers des ateliers régionaux et des ateliers thématiques à Abidjan. Du 25 au 30 avril prochain, une pléiade d'artistes feront vibrer les villes d'Abidjan et de Boaké. Près d'une centaine, dont Booba, Ferregola ou encore Didi B, tous constituent l'affiche de la 15e édition du FEMUA. Mais le FEMUA, ce n'est pas que de la musique. Cette 15e édition verra la construction de deux écoles. Le FEMUA, c'est un festival multisectoriel qui permet à tous les secteurs de se retrouver et de débattre, pas seulement de la musique. Donc le Carrefour Jeunesse permet à les autorités, le ministre, tous les mamadou ne me dira pas le contraire, lui qui est venu à deux ou trois reprises pour s'adresser aux jeunes pendant ce panel. J'espère cette année voir la ministre Belmont Gogo, le ministre de la Communication, a besoin de vous pour partager votre expérience avec les jeunes. Cette édition est placée sous le thème « Sécurité alimentaire et agriculture durable ». Je suis très contente parce qu'il y a une très belle sélection. Il y aura mon artiste préféré, Ferregola. Il y aura aussi des artistes de la sous-région. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Notons que le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, le FEMUA, est désormais inscrit dans les lignes budgétaires de l'État de Côte d'Ivoire. On termine ce 7 minutes avec des images qui font froid dans le dos et qui circulent depuis quelques moments sur les réseaux sociaux avec ce commentaire. Voici comment Abidjan est dangereux, faites attention. Un poste de la Direction générale de la police nationale de Côte d'Ivoire quelques heures plus tard est venu démentir cette information, mettant ainsi fin aux rumeurs et aux fake news. Prenez quand même soin de vous et bonne suite de programme sur cette info.